Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais vous remercier de votre présence aujourd'hui lors de cet événement politique qui nous réunit en tant que responsable, de Benno Bokhyakar dans la région de Dakar. Une nouvelle dynamique a été créée depuis plus d'un mois, pour travailler ensemble, unis, dans le cadre des parrainages. Durant ces deux derniers mois, nous avons eu à sillonner le département de Dakar pour collecter des parrainages et faire collecter des parrainages pour le candidat Amadou Ba. À cet effet, beaucoup de nos frères et sœurs, camarades de Benno Bokhyakar, ont eu à participer à cet effort, politique pour la continuité des progrès démarré par le président Macky Sall dans le cadre du PSE. Le président Macky Sall, comme vous le savez, a choisi le Premier ministre Amadou Ba comme candidat. Amadou Ba, notre candidat, qui habite à Dakar, qui est né à Dakar. Donc il est nécessaire, et il était nécessaire, que le département de Dakar, la région de Dakar, se mobilise durant cette phase de parrainage, qu'il y ait de l'animation dans les communes et permettre à Benno Bokhyakar d'être prêt pour cette grande fête démocratique que sera l'élection présidentielle du 25 février 2024. Je remercie tous les responsables de Benno Bokhyakar dans le département de Dakar, mais aussi à Pikine, à Guédiawaye, à Kermassar, à Rufisque. Ils ont pu collecter 122 576 parrains qu'on a pu collecter aujourd'hui durant cette journée du 24 novembre. Je remercie aussi ceux qui sont venus de quelques autres régions et qui ont amené plus de 13 000 parrains. Donc je disais 122 000 parrains, plus de 85 000 dans le département de Dakar, 16 000 ou 17 000 dans le département de Pikine, Kermassar 3 000 parrains et les autres régions environ 13 000 parrains. Nous avons aussi assisté à un événement malheureux. Il y a eu quelques bousculades dues peut-être à quelques difficultés d'organisation entre responsables sur des questions de siège ou de place assise, mais il n'y a eu aucun différend entre des responsables de Benno Bokhyakar. Ce qu'il y a eu, c'est juste des bousculades dues à des places assises ou ce genre de choses. Donc nous nous en excusons devant tous les responsables, devant tous les citoyens sénégalais, parce que l'essence d'un parti politique, ce n'est pas la bousculade, ce n'est pas les disputes, c'est plutôt l'union, un projet, le progrès pour le Sénégal. Donc c'était un peu ce message que je voulais donner. Féliciter tous les membres de Benno Bokhyakar, mais féliciter aussi tous les responsables de la région de Dakar et particulièrement ceux du département de Dakar qui ont fait ce travail. Je voulais leur dire que le parrainage est qu'un échauffement. Si nous prenons un peu, si nous considérons l'élection du 25 février 2024 comme un match de football, nous devons comprendre que le préalable, c'est l'échauffement, c'est la préparation physique. Et le parrainage, c'était la préparation physique. Donc, durant ce mois de décembre, nous commencerons à entrer dans les départements de Dakar, dans la région de Dakar, pour aller voir les électeurs, pour aller voir les associations, pour rencontrer les forces vives et leur proposer le projet, le programme de notre candidat Amadou Ba. La politique, c'est le dialogue, c'est l'échange, c'est la rencontre entre des citoyens et des acteurs politiques qui ont un projet. Un projet pour bâtir le destin de notre nation. Et c'est la raison pour laquelle nous les appelons à beaucoup de sérénité, mais aussi beaucoup de souplesse, d'ouverture, de dialogue avec les populations pour proposer ce projet qui sera le projet de notre candidat Amadou Ba.